Et on est reparti pour une autre game. Bon, donc du coup on vient de buter le Skull Knight. On peut pas remonter, la barre à gauche est en haut, donc on va être obligé de repartir sur la droite. Et c'est parti. C'est de faire reculer. Ok, encore un cul-de-sac. Okay.
Super Mario Bros 2 européen, bien sûr. Bon, visiblement le masque nous ne poursuit pas. Intégralement. Où là on remonte. Bon, allez, on part droite. Déception, c'est que franchement ça colle trop, beaucoup trop à Symphony of the Night. Sauvegarde quand même, ce serait bien. Well done. So,
On a le choix entre remonter en repartant à gauche, on se retape tous les monstres. Le choix de descendre ou le choix de remonter. On va aller jeter un coup d'œil vers le bas, tiens. Oui, donc j'ai une grosse salle bien fake. Juste pour récupérer une potion. J'hésite à partir vers le haut. Petit coquin va. Alors, si on descend, petite sauvegarde. C'est parti pour le boss. Allons-y. Ouh, un golem. Ok. Ah,
Voilà ce qui est énervant en fait dans ce Castlevania, c'est la facilité des patterns des boss. Ah, ouais, la facilité. J'espère que je vais peut-être un petit peu tomber sur du plus hard parce que là... C'est de l'avoir fait à sa sortie et de ne me rappeler en fait de presque rien parce que ce jeu est vraiment tellement pompé sur Symphony of the Night et comme le disent la majorité des développeurs, même des designers, le mieux est l'ennemi du bien. Que là on se retrouve confronté à un gros mélange de tout et on ne sait plus. On va dans tous les sens. Thank you.
Voyons. Garde, et puis on fera l'autre partie en suivant avec l'autre boss. Allez. Ah, tout de suite pour l'autre partie en fait.